Bonjour, je viens vous présenter la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce vendredi 12 août 2022. Une pleine lune, alors elle va se réaliser très précisément à 19 degrés du lion. 19 degrés du lion pour le soleil et donc opposé en face 19 degrés des Verseaux, du Verseau pour ma lune. Soleil Lion, opposé Lune Verseau. Intéressant, c'est un axe virage, on va en parler dans le concret. Puis à la fin, je vous ferai une sorte de glossaire technique, enfin sommaire bien évidemment, sur les coupes Soleil-Lune, parce que j'ai eu des demandes là-dessus, quand on est né durant une pleine Lune, quand on est né au moment d'une nouvelle Lune, ce sont des singularités tout à fait spécifiques, ça mérite qu'on l'aborde rapidement. Donc qu'est-ce qui se passe dans le ciel? J'ai ce vendredi 12 août à 1h37 du matin, ça veut dire qu'on rajoute 2h ici en métropole, ça fait 3h30 pour faire court, la pleine Lune se réalise plein pot. Donc vendredi matin, tension dans le ciel. Si la nuit de ce jeudi ou vendredi, jeudi 11, vendredi 12 août, est un peu compliquée, si on a du mal à dormir, c'est un grand classique ça, on a du mal à dormir, la fatigue, etc., c'est normal, c'est la pleine lune. Bref, pleine lune dans le ciel, qui doit faire attention? On va commencer par ça, ceux qui sont directement au cœur de la cible de cette pleine lune, ceux qui sont pile dans l'axe sont ceux qui sont plus exposés que les autres, c'est logique. Et puis après, il y a ceux qui sont à 60-120 degrés, qui du coup bénéficient de cette double influence, on dit deux énergies de direction, qui eux vont bénéficier de l'influence pour être plus dynamiques, plus positifs, plus lucides, plus conscients, plus fluides, etc. Voilà. Commençons par ceux qui sont au cœur de cette angularité, de cette tension planétaire. Une pleine lune, on le sait, c'est nous, on est la Terre, au centre, on est là, c'est la bonne blague, on regarde à partir du moment où on est placé, d'où on est, tout simplement. Et puis, j'ai Soleil d'un côté, partie consciente, Lune, représentant nos émotions, en face. Ceux qui doivent faire attention, parce qu'ils vont être plus sollicités, sont tous ceux qui sont situés entre le deuxième, troisième décan du lion, deuxième, troisième décan du verso, deuxième, troisième décan des taureaux, du taureau, et deuxième, troisième décan du scorpion. Voilà, parce que c'est vraiment frontalier, 19 degrés, on sort du deuxième décan pour aller vers le troisième décan, on est vraiment là à un degré près dans cet orbe d'influence qui agace les quatre en question. Maintenant, ceux qui bénéficient des influences de la pleine lune, parce que si on est dans les bons angles, on ne se fait pas atteindre, et au contraire, on le gère le mieux possible. Alors, il y en a quatre qui sont, entre guillemets, privilégiés, qui se servent de ce vent porteur tendu pour en tirer le meilleur. Qui sont-ils? Si c'est dans l'axe Lion-Verseau, on peut facilement imaginer que si vous êtes à 60 degrés d'un côté et de l'autre, à savoir mes Béliers, vous êtes gagnant, mes Gémeaux, vous êtes gagnant, mes Balances, vous êtes gagnant, et mes Sagittaires, vous êtes gagnant. Vous quatre, vous gérez cette pleine lune avec beaucoup plus de fluidité que d'habitude, vous appréhendez ces mécanismes de tension ambiant pour rester zen, positif, constructif, trouver l'interface entre vos ressentis, vos objectifs. Au contraire, ça peut être très fluidifiant une pleine lune si on n'est pas dans l'angle qui nous sollicite, on s'approprie ce truc pour être le plus positif possible. Voilà, parce que dans le ciel, il y a d'autres trucs extrêmement positifs dont je vais vous parler maintenant. Ça, c'était pour la pleine lune, qui est le gros morceau de ce vendredi 12 août. En parallèle de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai Mercure. Mercure qui, ce vendredi 12 août, et va poursuivre son périple, commence vendredi à 13 degrés de la Vierge. Il est rentré depuis quelques jours en Vierge, je vous ai fait un horoscope sur le sujet. À 13 degrés de la Vierge, sur le plan du mental, Mercure c'est la communication, Mercure c'est l'intellect, Mercure, quelle est la première fonction de Mercure? C'est trouver l'interface, il y a un mécanisme d'adaptation, parce que l'intelligence, c'est l'adaptation, hein. C'est très darwinien comme mécanisme. Ce n'est pas les plus forts qui survivent, selon Darwin, hein. C'est ceux qui parviennent le mieux à s'adapter, et la fonction mercurienne a ce rôle, a cette fonction. Donc, lorsqu'on regarde une carte du ciel individuelle, bien évidemment, on va essayer de calibrer très rapidement, si Mercure est bien disposé ou pas, si on a une capacité à faire face aux situations avec l'élasticité nécessaire pour intégrer les données évolutives en permanence ou pas. Ça, Mercure nous renseigne, très précieux. Et puis par extension, c'est la culture générale, la curiosité, l'intellect, l'échange, le verbe, la facilité à faire passer son information et son message, c'est ça la fonction mercurienne. Mercure en Vierge, il est très heureux, il y a deux endroits où Mercure joue son rôle en plein. C'est en Gémeaux, hein, il est très fluide, c'est un vrai caméléon, et en Vierge, où il est assez opérationnel, il est ce que j'appelle pratico-pratique, où il assimile plein d'informations pratiques et concrètes, parce que c'est le bon sens, la Vierge, c'est le concret, c'est l'observation. Parfois, c'est un peu casse-pied, parce que ça rentre dans le détail, hein, je connais le sujet, mais dans tous les cas, il est pragmatique, et les informations sur lesquelles il s'appuie, elles sont plutôt bien analysées.
C'est la force de Mercure en Vierge. Donc, qui est gagnant avec ce Mercure en Vierge ? Sont mes Vierges, parce que c'est chez vous que ça se passe. Et quand une planète est directement chez soi, elle a plus d'influence que partout ailleurs. C'est du bon sens. Hein. On est directement concerné, on est dans l'éclairage maxima. Excellent sur le plan de l'intellect pour mes Vierges, la communication, l'adaptation. Et également pour mes autres signes de Terre. Mes taureaux, ah, le bon sens près de chez vous, c'est ce que j'adore chez le taureau, c'est le bon sens. Mes capricornes, votre esprit merveilleusement pratique, synthétique, qui va droit au but, hein, qui ne s'embarrasse pas de détails, qui donne l'information brute de fonderie, en ce moment, votre mental est extrêmement aiguisé dans le bon sens, c'est très très positif. Alors si vous pouviez en profiter, mes capricornes, vous qui êtes merveilleux pour avoir le cœur de cible, d'être très précis dans vos argumentaires, si on pouvait en profiter pour mettre un peu d'élasticité, je sais que le message passe encore mieux, voilà, c'est dit, surtout sur le plan privé, pour info. Voilà, et puis quand une planète est belle en Vierge, elle apporte, là c'est Mercure le mental, elle apporte aussi de très bonnes choses pour mes cancers. Mes cancers, ça vous aide à vous exprimer, à réduire toujours cette interface qui existe fréquemment chez vous, le curseur est un tout petit peu plus cranté chez vous statistiquement, pour faire remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots. Hein, c'est beaucoup d'émotions et de ressentis chez le cancer, faut que ça sorte, faut qu'on évacue. L'influence en question, elle favorise ça. Et puis pour mes scorpions, qui vous avez un esprit à la fois intuitif, mais en même temps très profond, intuitif et profond, mes scorpions, Mercure scorpion, il y a beaucoup de psychanalystes et Mercure scorpion, beaucoup d'enquêteurs, l'influence de Mercure vous donne ce petit plus, cet avantage encore pour être à la fois intuitif et analytique et pointu et précis. Voilà, vous êtes les gagnants. Avec cette influence mercurienne, là, j'en ai mis une dose. Hein. Mercure, c'est important, pour moi en tout cas. Après, j'ai Vénus. Gros morceau Vénus. Gros morceau Vénus. Vénus vient de rentrer en Lion. Vénus, là, à partir de ce vendredi 2 août, donc elle a dû rentrer jeudi, donc la veille, Vénus, 1 degré du signe du Lion. On rentre dans le signe, quoi. 1 degré, ça veut rien dire, c'est juste qu'on est au début, et puis qu'elle va y rester jusqu'au 30e degré, voilà, quelques jours. Vénus, l'amour, Vénus, le charme, en Lion, c'est flamboyant. En Lion, c'est une sorte de concentré, de charme, de rayonnement. Les Vénus en Lion, c'est magnifique, ce sont des profils qui sont amoureux de l'amour, en quelque sorte. Ce sont des profils qui placent l'idéalisation du sentiment à un degré assez élevé. Il y a une sorte de conceptualisation idéalisée, souvent aussi, il faut être clair. Et puis Vénus en Lion a besoin d'aimer quelqu'un souvent qu'il admire, hein, qui est valorisant. Admire, c'est parfois un peu fort, mais dans tous les cas, quelqu'un qui renvoie un écho de lumière. C'est puissant, Vénus en Lion. Les amours sont assez, pas dilatées, mais très, très chaleureuses, très, très sanguines, très passionnelles, très très noble aussi, hein. C'est un bon côté avec le Lion. Donc, très bon au niveau du charme. Alors, qui vont être les gagnants de cette influence de charme là, à partir du 12 août et pendant quelques jours ? Ça vont être mes Lions. Ben, Vénus vient chez vous. C'est toujours formidable quand Vénus vient chez soi, parce qu'on a plus de rondeur, de charme et de fluidité relationnelle, c'est évident. Et puis, en même temps, quand on l'a à domicile, ça nous colore de cette douceur, de ce savoir-faire. Donc, mes Lions, c'est très très bon. Charme côté cœur, super. Mais également pour mes béliers, autre signe de feu. Hein. Vénus est en Lion, elle veut du bien à mes autres signes de feu. Donc super pour mes béliers, super charme en ce moment. Et pour mes sagittaires. Alors, j'aime bien vous annoncer des bonnes nouvelles, mes sagittaires, vous qui êtes positifs et optimistes. Donc Vénus qui rentre en Lion, trigone avec vous, 120 degrés du feu du Lion jusqu'au feu du Sagittaire, vous rentrez dans une période extrêmement intéressante au niveau du cœur. Quoi, hein. Tout ce qu'on fait passer en souplesse, en chaleur, en rondeur, c'est extrêmement favorable et positif, très très bon, surtout qu'il y a en même temps Jupiter, la planète de la chance, qui est en début Bélier, hein. Donc ça y est, c'est Vénus début Lion, Jupiter début Bélier, il y en a qui sont gâtés, quoi, hein. C'est planète de l'amour et planète de la chance dans les signes de feu, donc les grands gagnants, encore une fois, sur ces deux domaines-là, parce que c'est concomitant, hein. Charme et chance, souvent ça s'associe. J'ai mes béliers, mes lions, mes sagittaires, super, et puis encore une fois, en majorité, les signes d'air qui sont associés à 60 degrés, donc d'une façon ou d'une autre, chacun y gagne. Surtout mes gémeaux, surtout mes balances, mes Verseaux, il y a quand même Saturne qui vous bloque un peu, mais globalement, vous avez quand même des protections planétaires qui vous veulent du bien, là, grâce à Jupiter, mes Verseaux, attention. Sinon, Vénus opposée, attention à l'hypersensibilité. Voilà, après, j'ai toujours Mars, l'action, Mars, le fameux « je retrousse les manches », Mars, qui est à 25 degrés du taureau à partir de ce vendredi 12 août, donc
très belle énergie pour mes signes de terre, hein, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et également pour mes cancers et mes poissons. Vous cinq, Mars est là en soutien pour vous apporter énergie, endurance, détermination pour terminer ce que vous commencez. Donc si on se lance dans quoi que ce soit, on sait qu'avec l'apport de l'énergie en question, tout est là pour vous permettre de puiser en vous les ressources d'endurance pour terminer tout simplement ce que vous avez commencé. C'est bien, une bonne idée, hein, on y va. Après, j'ai toujours ce Jupiter dont je parlais succinctement, hein, toujours en bélier jusqu'au 28 octobre, donc les 5 gagnants jusqu'au 28 octobre, ça c'est une longue, longue période. Hein. Donc les gagnants, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes gémeaux, mes verseaux, Jupiter la chance, vous avez ça en toile de fond. En toile de fond, qu'est-ce que c'est? C'est que ça, pas tous les jours, c'est la fête, mais très globalement, quand on a besoin d'un petit coup de pouce, pour terminer, pour arrondir, pour assouplir, pour créer le lien, pour retrouver l'équilibre, pour aplanir une tension. Jupiter est là pour proposer une option positive. C'est ça qui est intéressant. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Je crois que je n'ai oublié personne. On est tous influencés d'une façon ou d'une autre par toutes les planètes qui sont là. Je ne vais pas vous refaire les lentes, parce qu'on les fait toutes les semaines. En revanche, je vais vous parler d'un point sur lequel on m'a déjà sollicité, ce sont les aspects Soleil et Lune. Alors, gardons à l'esprit que lorsque l'on est né, hein, sur cette terre, lorsqu'on appuie sur cette terre, comme on fait une carte du ciel, on coupe le cordon au moment où on sort du ventre de la mer, et puis on dresse une carte du ciel à ce moment-là, c'est une première empreinte du ciel qui nous imprègne, c'est notre carte d'identité, voilà, à vie, quoi. Hein. Après, toute influence dessus, on peut travailler dessus, mais la base, elle est là. L'angle premier, il est là, la carte du ciel, natale. Et à partir de cette carte nutelle natale, on a tous des influences, des aspects qui sont harmonieux et d'autres qui le sont moins. C'est tout le but, c'est d'affiner qui fonctionne bien, qui fonctionne moins, et travailler sur ce qui fonctionne bien, mais aussi sur ce qui fonctionne moins bien. C'est toute une subtilité, mais c'est hyper intéressant. Et on va dire qu'un quart d'entre nous sont nés avec des complications entre soleil et lune, entre père et mère, entre conscient et inconscient. Et naître sous une pleine lune, ça crée un élément de tension archaïque, fondamental, foncier, entre les parties conscientes et les parties inconsciente. Et ça donne, en général, statistiquement, une sensibilité, mais d'une tout à fait particulière, à la moindre tension dans l'enfance auquel on va être confronté dans les relations avec les parents. Hein, c'est père, mère, soleil, lune, hein, cette confrontation fait que, pour moi, c'est du pain béni. Quand je vois quelqu'un né durant une pleine lune, j'y vais franco, je pose la question, est-ce que vous avez souffert de tensions entre les parents? Alors, c'est vrai qu'il y a un divorce sur deux, donc maintenant, c'est un peu compliqué, donc c'est récurrent, mais il y a une surréceptivité sur ces terrains-là, une surréceptivité à éviter, à être d'une perméabilité toute particulière dans les tensions qui peuvent se créer entre la vie sociale, soleil, et la vie intime, la lune. Voilà. C'est une opposition. Après, vite fait, si je vous fais le tour, de ceux qui, à l'inverse, sont nés au moment d'une nouvelle lune. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Vue sur Terre, quand on est né, soleil et lune étaient dans le même axe. C'est l'époque où on ne voit pas la lune, parce qu'elle est dans le même angle quoi, que le soleil. Donc, une nouvelle lune, qu'est-ce que ça donne? Si elle est pas... elle va être très différente, l'influence, en fonction des signes. Pourquoi? Vous allez voir que la mécanique, elle est assez simple. Dans certains signes, le soleil est plus puissant. Par exemple, quand c'est en bélier ou en lion, le soleil est plus puissant, il est plus fort. Ce sont des signes plus puissants, tout simplement, plus solaires. Et puis, quand on est dans des signes comme le taureau ou le cancer, ce sont des signes gouvernés par la lune. Donc, l'influence de la lune dans ces conjonctions-là va être plus importante. Donc, si je vous fais ces quatre-là, on sait que si on a affaire à un bélier et un lion avec une nouvelle lune, ça va me donner un bélier suractif ou un lion recherchant encore plus la réalisation. Voilà. Ça, c'est pour nouvelle lune, conjonction soleil-lune, dans le même signe, donc en bélier et en lion. Si c'est en taureau et en cancer, parce que c'est l'univers de la lune, l'accent sera mis sur la réceptivité, la sensibilité, le goût, la famille, l'affection, l'univers intime, qui va devenir le corps central, parce que des deux en présence, celui qui est chez lui prend le pas sur celui qui ne l'est pas. Il y a toujours un gagnant, celui qui est chez lui est plus fort. Ensuite, il y a les autres cas, il y a les cas neutres. Les cas neutres, ça peut être les mercuriens, par exemple. Les mercuriens, qui sont-ils? Sont mes gémeaux et mes vierges. Donc, quand j'ai soleil et lune en gémeaux, sont des profils qui sont des machines à penser, à créer, à initialiser, à démarrer, à apprendre plein de trucs toute leur vie, et qui ont peut-être un peu plus de mal à se stabiliser parce qu'on est dans cette quête permanente d'apprendre. Quand c'est en vierge, on peut être des vrais intellectuels, mais concentrés sur des points pointus, précis, extrêmement
extrêmement ciblé. Voilà. Hein, et puis ça donne parfois un peu des maniaques. Hein, des nouvelles lunes en Vierge. On est obsédé par tout le choix propre. La Vierge, c'est la Suisse. Hein. Je crois que c'est Coluche qui faisait une blague en disant en Suisse, on n'attrape pas de maladie, on peut attraper des médicaments. Non, c'est une blague de Coluche, hein, c'est pas de moi. Bref, c'est la Vierge, quoi. Après, il y a des signes dans lesquels c'est un peu plus singulier. Par exemple, si on prend une nouvelle lune, on a fait Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Vierge, on vient de le faire. Si c'est une nouvelle lune en balance, la balance, c'est le signe du couple. Et là, c'est vrai que là aussi, la lune prend de l'importance parce que le soleil est en chute. Quelqu'un qui est né sous une nouvelle lune en balance va être d'une perméabilité, d'une sensibilité à la qualité de la relation de couple. La qualité de la relation à l'autre va être l'enjeu numéro un de la vie. Si cette nouvelle lune se fait en scorpion, c'est un signe qu'on n'a pas encore vu, qu'est-ce qui va se passer? Le côté intuition, le passionnel, le concentré de passion qu'on va mettre dans tout ce qu'on touche va être surdimensionné. Et puis la partie réceptivité intime va être très très forte. En Sagittaire, moi je les adore les nouvelles lunes en Sagittaire, parce qu'on est sous la houlette de Jupiter, et la houlette de Jupiter, c'est de l'optimisme, c'est de la chance, c'est celui qui est fait pour découvrir de nouveaux horizons, pour s'ouvrir, la générosité, c'est un maximum de concentration de vie et d'optimisme, nouvelle lune en Sagittaire. Lorsque c'est en Capricorne, Soleil va prendre plus le pas parce que la lune va être en chute. Elle est puissante en Cancer, donc quand elle est en face, en Capricorne, elle est plus réservée. Donc ça va se faire au niveau des ambitions, des enjeux sociaux, de la réussite professionnelle, hein, de la réussite statutaire. Lorsque c'est en Verseau, j'ai une nouvelle lune en Verseau, c'est un concentré d'indépendance. Hein, c'est le novateur, je ne vais pas dire que c'est le professeur Tournesol, mais on est complètement, pas hors sol, mais on est hyper créatif, besoin de liberté à tout prix, avec un sens du contact, de l'humain, du relationnel et de l'amitié qui est tout à fait intéressant, délicieux et voire très puissant. Et puis lorsque j'ai une nouvelle lune, quelqu'un qui est né sous une nouvelle lune en poisson, pour terminer le cycle, ça me donne des humanistes, ça me donne des Mères Teresa, ça me donne des Dr Schweitzer, ça me donne des profils qui sont sur Terre pour une raison finalement très simple, c'est être utile aux autres, avec un cœur XXL. Voilà, je vous ai fait ces petits tours, un peu de technique, ça fait du bien. C'était une pleine lune, bon, il y en a quatre qui doivent faire un peu attention, puis pour les autres, c'est bon. Hein. On puise toujours ce qui fonctionne, on appuie toujours sur ce qui marche. Merci pour vos likes, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos gentils commentaires, et puis je vous prépare plein de vidéos. Et puis en septembre, je vous ferai les annuels pour 2023. Il y a du changement, vous n'avez pas idée. À très vite, merci.